le lot numéro 17, donc Désir du Prélat, qui est présenté par la SARL Cauchemar, qui nous vient de Charente, le 16, Un Fils de la Roque, qui est né le 20 mai 2013, et Héliosphère, une fille de Sabril. Héliosphère, on va faire marcher, s'il vous plaît, le poulain. Héliosphère, et c'est une fille de Sabril, donc, élevée par le Haras National de Pompadour, centrée par le service de l'Orière, pour faire la cavette de Jean-Louis Martin. Et vous avez gagné le critérium d'Auvergne à Alichy, le critérium d'Auvergne des Anglo-Arabes, associé à cette occasion à Françoise de Bertras. C'est son premier produit à Aigues-Sèvres, et elle-même une sœur véritable, un fils de Satin Wood, qui compte 3 victoires en seulement 4 sorties. La battue a été battue qu'une seule fois. On va faire un aller-retour au trot, s'il vous plaît, également. Pour, toujours pour ce lot numéro 17. Sébastien Constant nous présente le lot numéro 38. Sébastien Constant donc nous présente le lot 38. Une fille de Grey Risk et d'Irla Dada. Elle est nommée Dawnstrade Pellstrade, cette fille de Grey Risk. Elle est née le 9 mai. Grise comme son père. C'est donc petite fille de Kendor. Irla Dada avait déjà été élevée par Sébastien Constant, qui vient du Cantal. Quand elle est une place en plat, et puis Iris de la Brunie et de Diane de Valois. Diane de Valois, donc c'est la deuxième mère de ce lot numéro 38, qui appartenait à Jean Biravin, qui est entraînée par Bertrand de Notre-Dame, c'est ça. Et qui était même la mère de The Fast et Jenny Lina, fille de Jenny Télan Pontalour, qui est donc de l'homme des jumeaux en tarbes, élevée elle-même par Sébastien.